Attends.
mesdames, messieurs. Au nom de l'entente des groupements patriotiques, je remercie les autorités civiles, religieuses, judiciaires et militaires de rehausser par leur présence les cérémonies patriotiques de ce jour. Je remercie le personnel enseignant et les étudiants d'être avec nous. Je remercie le corps musical, les corps constitués et tous ceux qui, de près ou de loin, apportent leur concours à la réussite de notre manifestation, c'est-à-dire le 70e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 et le 56e relais sacré. Nous avons fait appel à la jeunesse pour participer avec nous aux cérémonies patriotiques. Elle y a répondu avec enthousiasme et nous nous en félicitons. Cette année encore, trois étudiants nous ont précédés pour déposer des fleurs au monument aux morts des deux guerres. Dans quelques instants, Mademoiselle Melinda Leplé, Monsieur Patrice Main et Philippe Devaux, étudiants, Madame Ponta, professeur de français du cycle supérieur des humanités, qui nous apporte son si précieux concours. Cette poésie s'intitule Gabriel Péri des Ruas. Je les remercie de tout cœur et immédiatement je passe la parole aux étudiants. Gabriel Péri, Paul et Loire. Un homme est mort qui n'avait pour seule route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui. Que le bonheur soit la lumière au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre. Et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse. Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot camarade et le mot frère. Le mot courage, le mot découvrir. Et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Péri. Péri est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant.